bien bonjour à tous, les amis, c'est votre Jumper, j'espère que vous allez bien. Écouter moi, Sam Tanika, qu'en est-il aujourd'hui, les amis? On se retrouve pour un nouveau jeu complètement explosif que j'ai nommé Terra Tech. Et vous, les amis, ça y est, après tant de demandes, voici enfin la première vidéo sur la chaîne sur le jeu Terra Tech. Alors, qu'est-ce que Terra Tech? Déjà, c'est un jeu, comme vous le voyez, complètement explosif. Alors, il y a des balles partout, ça fuse vraiment partout. On a des véhicules qu'on va pouvoir construire un petit peu comme on veut, tel un scrap mécanique, en fait. Sauf que là, pour le coup, on va avoir affaire à des duels contre notre joueur, bien sûr, ou ordinateur, bien entendu. Via, bah, écoutez, des petites plateformes comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, les amis, ça fait super plaisir, enfin, bah, écoutez, de tester avec vous et de découvrir, parce que je n'ai jamais joué à Terra Tech de toute ma vie. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça une découverte, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on va pouvoir découvrir ensemble Terra Tech. C'est un jeu qui était vraiment très, très demandé. Parce que oui, hein, effectivement, comme je viens de le dire, ça ressemble extrêmement à Scrap Mécanique. Et en plus, on a plusieurs modes de jeu. On a la campagne, le mode créatif, le sumo, le gauntlet. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo découverte peut-être. Mais peut-être que aussi également, ça deviendra sûrement une série sur la chaîne. Tout comme ça a été avec Scrap Mécanique. Voilà, donc, alors, pour commencer. Bon, on va pas partir en mode créatif parce que je pense même pas que je serais capable de faire un chien comme ça, tu vois. Mais on va plutôt partir du coup, bah, vers la campagne. Je pense que ça va être bien pour commencer. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Seed. Oh, c'est-à-dire... Ah ouais, donc c'est genre, le monde, il est généré et tout? Oh! Attends, non, parce que là, du coup... Alors, je ne pense pas qu'on va pouvoir contrôler une personne. Il me semble que non, on contrôle uniquement notre... Oh, notre main. Inutile de déploiement JSO type B57-891. J'ai pas le temps de lire! Oh! Attention, puissance défaillante de la mission Alpha! Atterrissage d'urgence imminent. Début des protocoles de récupération d'urgence. Le Terra Tech. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Ah. Est-ce que c'est nous? Nous sommes tellement petits. Pfiou. Votre cab est un peu amoché. Mais vous l'avez fait. C'est votre cab. Protégez-le à tout prix. Oh. Il est magnifique. Cliquez et maintenez le bouton de la souris. Regardez autour pour d'autres parties. Oh. Oh, il y a un truc qui vient de tomber. Un bloc standard à l'arrière de votre cab en utilisant le bouton gauche de la souris. On peut le déplacer? Oh, on est en train de construire notre véhicule! Bien! Maintenant, attachez toutes les roues sur les côtés. T'imagines? Là, c'est l'air d'être un peu la partie tutoriel. T'imagines ta roue, elle se retrouve là-bas? Tu peux jamais commencer l'histoire, en fait. Hein. Comme ça. Ok, ah, c'est un petit camion! Oh! Alors, donc, vous l'avez compris, en fait, c'est un peu un survival. Mais là, vraiment, scrap mécanique, quoi, dans le sens que, bon, par rapport à scrap mécanique, où c'est qu'une et que de la création, là, on va devoir trouver des ressources pour, bah, écoutez, améliorer notre véhicule. Et du coup, devenir le meilleur. Alors, vous avez assemblé votre tech basique. Maintenant, appuyez sur B pour désactiver les rayons de construction. Oh, vérifiez votre fonctionnement et utilisez cette QSD. Wouhou! Damn it! Oh, c'est génial! Alors, attends. Un petit pistolet. Bon, c'était sûr qu'on n'allait pas commencer. Oh, il y a un truc qui vient de tomber. Un prospecteur rival. Oh, viens de te battre. Je suis Elf le Jumper Robot. Ok, oh là là. Allez, allez. Allez, je le bombarde. Je le bombarde. Oh oui, c'est bon. Oh, il y a même un système d'XP et tout. Mais c'est génial. Et du coup, attends, je peux prendre les trucs. Il semblerait que Tony ait laissé les blocs derrière. Ah ouais, le véhicule avait un nom et tout, quoi. Il faut lui trouver un nom, mais d'enfer. Oh, c'est génial! Oh, je comprends mieux pourquoi vous l'avez autant conseillé. Oh là là! Et voilà, je suis devenu Super Furious. Je suis encore plus immersible. Ce désert est à moi. Alors, vous devez trouver quelque chose. J'ai pas le temps de lire, pense pas. Trouver un générateur solaire. Oh. Alors, est-ce qu'on peut... On peut récolter? Ah ouais! Avec la fourreuse qu'on a devant nous. Oh. Alors, on a un GPS. Je pense qu'on va essayer de le suivre. Mais c'est ouf, un survival avec des véhicules. La construction, enfin, c'est fou, c'est fou. C'est complètement fou, sachant qu'en plus j'ai vu qu'on pouvait sauvegarder nos véhicules et du coup aller dans l'espèce d'arène pour pouvoir, écoutez, tester nos véhicules et voir si on est vraiment le meilleur, hein. Tu vois ce que je veux dire. Alors attends, ouais, je pense que c'est le générateur solaire qui est là-bas. Ça, on va enlever ça, ça c'est pareil. Et ça aussi, voilà. C'est bon, je sais jouer maintenant. Je sais me déplacer, voyons. C'est votre générateur solaire. Il faut de l'électricité gratuite quand il est ancré. Non, il fait de l'électricité gratuite plutôt. Ah, d'accord. Faites-le glisser et déposez-le avec le bouton gauche de la souris pour choisir une position ou l'ancrer. Au-dessus. Ah, apparemment, il n'est pas d'accord. Tony, il n'est pas d'accord. Hein? Et derrière? Oh! Ah oui, c'est un truc à poser au sol. Génial! Le générateur solaire est ancré et génère de l'énergie. Hein? Oh, super! Une bulle régénératrice tombée. C'est vraiment, on a de la chance, quoi. Tout tombe au bon endroit, déjà. Ramassez la bulle.
Alors, ok, maintenant attachez la bulle au générateur solaire. Ah, bien, il s'est mis en position. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut avoir autre chose là? Votre tech est complètement réparé. Oh, ça permet de réparer le tech. Ha ha. D'autres parties de votre base ont été éparpillées durant le crash. Utilisez les marqueurs de mission pour vous aider à les trouver. Très bien, vite, direction une autre zone. Tiens, on va aller par là. Oh, mais ça va être fou. Ça va être fou. Allez, on y va. Let's go. Ne pas oublier votre générateur solaire. Ah, savez-vous que vous pouvez ramasser les deux? Quoi, on peut l'embarquer? Mais je savais pas. Je ne savais point que je pouvais le prendre. Est-ce que je peux le prendre entièrement? Ah ouais. Oh. Mais c'est génial. Je suis un vrai transformer. Je savais pas que je pouvais l'embarquer. Bah c'est trop cool. Du coup, d'un point A à un point B, je vais pouvoir le prendre avec moi. Parce que vu qu'il me permet de me réparer, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Alors du coup, on peut tirer comme ça. D'accord, en bas j'ai l'impression qu'il y a une monnaie. Donc le Black Buck, qui est donc la monnaie de... C'est quoi? Ancrer votre tech. D'accord. Non, on va pas se mettre... On va pas ancrer le tech. Oh, il y a un rival. Nyeh. Tu vas voir, tu ne sais pas à qui tu as affaire, l'ami. Mini double drill. À l'attaque! À l'attaque! On lui fonce dessus! Allez, viens là! Ah non, non, je suis en train de... Non, non, bah là, je suis un peu plus avancé comme ça. Viens là! Non! Non! Allez! Oh, je vais lui foncer dessus. Voilà, c'est bon! Ok! Eh ben voilà! Je vais pouvoir agrandir un petit peu en plus le truc. Attendez, j'ai vu qu'il avait laissé tomber un drill. On peut le mettre derrière? Oh yeah! On ne pourra pas attaquer ni par devant ni par derrière. On m'appelle le tournevis dans le métier. Et ça, c'est à quoi? Je pense que c'est pour plus tard. Alors, on va voir un petit peu, on a des choses. On a une espèce de petite lupiote. Très bien, on a des roues sup... Oh là là, suréquipé jusqu'au bout. Je suis en train de devenir un avion là. Vas-y, on met ça là et on fera tout ça après. Oh! Bien sympa ça. Voilà, c'est bon. Ok! Bon, je peux te dire que là, vu le... J'allais dire vu le bonhomme qu'on est devenu. Attends, tu vois, y'a personne qui peut m'arrêter sauf un caillou quoi. Voilà, c'est bon, allez on y va. Il a rien oublié sur le passage? Non. Allez, c'est parti, on a une mission. Ah, donc en fait on peut vraiment croiser d'autres véhicules. C'est plutôt cool dans les environs. Alors, qu'est-ce qu'on... J'entends sa musique. Oh non! Oh, il est badass lui. Oh, oh, je me le fais. Oh, j'arrive. Allez, viens te battre. Oh, Il va faire mal. Allez, oh, il me fait une petite marche arrière, petite démonstration. Il a perdu une roue. Il est mal. Oh, je vais dessus. Est-ce que je peux le miner ou pas? Ah, il faut appuyer quand même sur la barre d'espace. Attends, je regarde, je l'ai derrière. Yes! Yes! Il est à moi! Regarde! Ah, tu ne peux rien faire! Attends, je vais l'avoir. Ouais! Yes! Oh, c'est génial! Allez, est-ce qu'il y a moyen d'agrandir le. Ah, appuyez sur B pour soulever votre tech. Et genre, il est trop gros quoi. Ok, alors, je voulais voir s'il n'y avait pas un autre bout du truc qui était tombé. J'ai pas l'impression. Ah, on n'a pas pu récupérer. Ah, c'est dommage! On n'a pas pu récupérer le truc qu'il a utilisé pour tirer. Bon, c'est pas grave. C'était pas ça par hasard? Oh! Si, c'était ça. Alors, il faudra un truc qui puisse se mettre devant. On va mettre ça comme ça. Ah! Ah, d'accord. Ah, ça se met un peu bizarrement, ouais. Bon, ça peut être pratique pour tirer derrière ou en dessous, mais... Là, je vais me crever une roue. Hein. Bon, c'est pas grave. On mettra ça autrement. Allez, on y va. Je suis chargé comme une mule. Oui, je suis trop lourd. Oh non, il y en a encore un. Oh, il a l'air badass, lui. Oh, il a l'air énorme. On va le voir ou pas? Allez, on y va. On veut de l'action. Non, il est un peu loin. Bon, on va au truc solaire. Écoute, il vient pas. Je vais pas non plus aller chercher la baston. Hein. Bon, tu me diras, bah, ça me dérange pas, mais bon. Oh, ce voleur sournois à votre radar. À l'attaque. Bah, tu vois, ça tombe bien, il y a un ennemi. Ouais, reviens là, toi. Rends-moi mon radar. Je vais lui enlever une roue, regardez, je vais lui enlever une roue. Allez, allez, allez. El radar, c'est le mien. Nya. Allez, allez, allez. Oh, il prend cher. Oui, ouais, il a perdu. Ça, je l'embarque, hop. Ah non. Attends. Voilà. Je vais le soulever, voilà, c'est bon. Regardez. Hop, transformation. Je suis la chenille. Eh oui, tu ne t'attendais pas à ça. Je crains pas mieux. Ah mais ça, oh. Mais ça va être mieux comme ça, mais ouais. Allez. Et ouais. Et voilà, il ne peut rien faire. J'ai pu récupérer le radar. Alors attends. Et on va essayer de se transformer en monster truck. Ça je viens. On va mettre ça sur le côté. Est-ce que je peux... Attends, Blup.
Blup, el gros moteur de la muerte. Faut le mettre des loups. Blup, tic. Voilà, comme ça. Avec les bruitages incroyables. C'est quoi ça? Donc c'est le radar. Oh yeah. On va le mettre derrière. Ouais. Oh, on peut le mettre au-dessus. Comme ça, voilà. Donc je peux te dire que j'ai l'arrière assez piquant. Oh, attends. Ouais, on va le mettre comme ça. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les gens. Ce véhicule est beaucoup trop badass. Oh my god. Oh, c'est génial. On va mettre des roulas, c'est au cas où j'en ai besoin. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Voilà. Ça, c'est du véhicule, mon pote. Oh my god. Regardez ça. El perforateur m'appelle dans le métier. Oh, c'est excellent. Alors, du coup, comment ça marche? Ah, le radar, il a été augmenté, regardez. On a un rayon qui est un petit peu plus grand. J'ai pas oublié ma station solaire, on est d'accord, hein, elle est dessus. Mais je crois que j'ai oublié un truc. Si c'est pas positionné dessus. Bon, c'est pas grave. Pire, si j'ai oublié un truc. C'est pas grave, on est bien. Récupérez votre batterie. Ah, elle est où? Elle est par là? Ok. Votre batterie est emportée par le vent durant votre atterrissage forcé. D'accord, ok, bon, c'est bon. Allez, on y va. Let's do this. Alors, il y a un ennemi qui est là. Alors, du coup, bon, maintenant qu'on a le radar, on peut voir un petit peu plus loin. C'est vraiment pratique. Mais c'est génial! Franchement, c'est génial. Et du coup, ça fait qu'on va pouvoir... Attendez, on va lui foncer dessus. Je le vois pas. Je le vois pas. Il tire sur les arbres. Il est coincé. Oh, j'arrive. Oh, toi. Alors, toi, mon pote. Alors, toi. Allez. Et voilà. On n'en parle plus. C'est fini. Donne-moi ça. Ah, ça... Ah, ça explose. Ah. On peut pas toujours récupérer le truc. Et ça, c'est quoi, ça? C'est une lampe. Ouais. Oh, mon pote, ça. Bon, ensuite, tiens. Allez. Ah bah forcément si je la mets en dessous. Attends, est-ce que je peux soulever mon... Ça c'est vraiment pratique hein. Attends, on va le prendre le truc du dessous. Voilà c'est bon. Woo. Allez on y va. Let's do this. Ok. Je suis beau quand même avec mes roues là au-dessus. Genre au cas où je me retourne tu sais. Non en vrai il y a moyen de faire plein de trucs hein. Ok. Alors du coup direction. Alors la batterie. Donc on est à 340 de distance. Ça va le faire. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Enfin, je vais pas tous les attaquer, hein. De toute façon, ça sert à rien parce que ils donnent pas le corps. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai besoin de corps. J'ai besoin de devenir plus grand, plus puissant. Et surtout plus fort. En même temps, c'est le but de la puissance, voilà. Allez, attention. On passe là. Hop. Ok, bon, on a un petit problème de... Ah, mais... Ah, c'est quoi ça clignote rouge comme ça? C'est que c'est endommagé, je pense. Il nous faudrait notre truc solaire. Oh, attendez, c'est pas grave, on va faire l'objectif là parce que bon, là on va perdre du temps avec ce truc chargeur de solaire là qui marche pas, tu vois. Donc, ou alors peut-être qu'il fasse ce qu'il faut que je sois à côté, il faut hein, qu'il capte le soleil, hein, c'est un peu le but d'un truc solaire, tu vois. Alors, détruisez cette arbre pour déloger votre batterie. Très bien. Ça va être assez rapide, mon pote. Je savais pas qu'on pouvait détruire les arbres. Ok. Oh, batterie. J'ai plus de place. Je vais devoir t'enlever, petite. Voilà, comme ça. Oh yeah. Ah, elle est lourde. Excellent. Maintenant, vous pouvez alimenter la bulle génératrice avec cette batterie pendant vos déplacements. Ouh! Maintenant que vous avez récupéré votre équipement, nous avons l'autorisation de vous envoyer une petite trousse de soins. Oh! Nous livrons à l'endroit où vous avez atterri. Au rapport, quand vous y arrivez. Ah, je retourne par là, c'est ça. Allez, c'est parti, l'ami. Oh yeah! Alors, par contre, bon, il faut vraiment être assez précis au niveau des, de l'emplacement des blocs. Sinon, je suis beaucoup trop lent. Hein. On est d'accord que là, on va pas à la même vitesse qu'au début. Quoique, je n'ai pas l'impression, hein, tu vois. Mais bon, je suis donc arrivé. Vous êtes sur le retour. Oui, je suis arrivé à l'endroit le point de retour, tu vois ce que j'ai. Ah, attends, nous vous envoyons votre caisse de livraison maintenant. Oh, sacrée caisse. Est-ce que je... Oh, nous espérons vous apprécier votre nouveau butin. Ben ouais, tu m'étonnes. Oh, les roues blindées. Oh là là, c'est génial. Bon, vous savez ce que ça veut dire? Qu'on va devoir passer à l'atelier garage. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à découvrir la nouvelle bête qui va faire son apparition? Attention, la voici. Oh yeah, le nouveau Furio s'est arrivé. Regardez-moi ça, ce monstre. Oh my god. Oh là 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 là. Oh, par contre, il a un peu de mal à tourner. Les roues vont un petit peu trop vite à mon... Oh, c'est génial. Oh, on va tellement vite. Oh yeah. Et au niveau des coups de feu, je peux te dire que là on y va. Excellent. Regardez-moi ça. Oh, c'est génial. On est vraiment badass hein. Pour le coup, il nous faudrait peut-être une... Ah oui. Hop, voilà. Bon, c'est pas grave. On peut encore se relever. Il faudrait peut-être une roue à l'arrière. Roue de travers. Ouais, mais c'est pas grave en fait. Ça me permet de tenir l'équilibre. Regardez. Regardez. Attends. Non. Je me suis bloqué sur les roues. Voilà, c'est bon. Non.
Il y a Drew qui veut venir. Elle fait non, non, je veux y aller aussi, moi. Non, non, tu n'as pas le droit. Voilà, c'est bon. Et là, du coup, bah ouais, bah elle est nickel. Par contre, il y en a une qui est en dessous. C'est quoi ça? Voilà, c'est bon. Elle gêne plus. Ok. On peut y aller? C'est bon? Bah, c'est pratique, moi, je trouve. Ok, alors attendez, on va essayer un petit peu. Parce qu'elle est là, du coup. Pas de problème, voilà, c'est équilibré. Oh, c'est génial. On va du coup pouvoir, les amis, attention. On va chercher. Au pire, si je veux aller encore plus vite, j'enlève la roue. Hein. Il y a un ennemi là. Il y a un ennemi. Oh, il va tellement prendre cher. Oh, oh, j'arrive. Oh, il est énorme. Ah non, ils sont deux. Ah ouais, vous êtes deux. Moi, je ne fais qu'un. Eh ouais. Salut, mon pote. Comment ça va? Parce qu'en plus, regardez, j'ai mis la pelle devant. Et voilà, on n'en parle plus. C'est terminé, voilà. Et bon, bah là, je peux vous dire que là, on est bien. Hein. Voilà. C'est juste au cas où. C'est juste au cas où. Oh, attendez. J'ai une idée. On peut encore mettre ça? Non? Y'a pas encore de... Y'a de la place? Attends. Ça fait quoi, ça? Ah, ça fait pas... Ça tire pas? On peut en mettre... Oh! Oh, ça le fait bien, moi, je trouve, comme ça. Ça fait un peu genre Rhino. Oh, génial, Rhino! Ça lui fait un bon nom! Eh ouais! Le Rhino! Ok, oh, c'est excellent. Oh, attendez, il me faut une autre... Il me faut une autre cible. On va enlever la roue, là, pour aller plus vite. Allez, wouh! Ouais! Par contre, bon, si je m'arrête, voilà. Comment vous dire que ça reste un petit peu... Ah non, non! J'ai perdu une roue, quoi. Mais j'ai l'impression que je... Il y a des roues qui traînent... Attends, hop, voilà, c'est bon, on est équilibré. Impeccable! Alors, je vois qu'il y a une cible là-bas. Bon, je peux vous dire... Ah, moi, je l'aurais bien appelé le scarab. C'est genre le gros scarabée, quoi. Oh, alors lui... Oh, il est énorme! Oh, enfin une cible! Une vraie cible! Oh, il m'a eu! Oh non! Je suis trop deg! Alors, comme ça, il paraît que j'ai perdu, hein? Non, mais je vois pas de quoi vous parler, bien sûr que non, attendez! Bon, alors bon, il m'a petit peu eu, on est d'accord. Oh! Ils sont en train de se battre entre eux! Ah, et c'est lui là! Ah! Ah bah ouais, mais bon, si vous entretiez aussi, comment voulez-vous que qu'on avance, les amis, voyons. Ah, mais moi, ça me va à merveille, tout ça, hein. Attends, on va prendre ça, allez, hop, on va encore s'améliorer. Non, parce que bon, on a un petit problème de... Hop, d'emplacement. C'est quoi, ça? Ah, c'est des bouts de bois. Voilà. Parfait. Oh, génial. Là, on est bien, là. Ah, toutes les armes. Toutes les armes, c'est n'importe quoi. On a trop de trucs, les amis. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Encore plus de puissance. Radar, hein. Ça améliore vraiment? Non, ça améliore pas, en fait. Il me faudrait des grosses roues. Ah, un peu petites. Non, c'est pas grave. On va faire avec. Est-ce que je peux retourner la... Ah, non, c'est... on peut les mettre que devant. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça. Regardez, hop. Comme ça. Ah, il peut pas tirer. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Franchement, vu tout ce qu'on a déjà comme balle, est-ce qu'on peut en mettre un derrière? On peut pas. Bon, à moins qu'il y a moyen de faire rotation. Il y a pas moyen de faire rotation, c'est un peu dommage. Bon, on fait quoi? On prend. C'est des grosses roues, ça? Ah, mais attends, on peut en mettre là. Oh yes. Ah, c'est les... Ah, c'est un peu plus petite, celle-là. J'avais pas vu. Ah, on a des roues de moyenne aussi. Oh, c'est génial. Ah là, c'est bon. Regardez, c'est elle, Scorpion, maintenant. Oh là là. Oh, c'est génial. Bon, attendez, on y va. Allez, on essaye de trouver. Oh, la cible là-bas, là. Il est un peu badass, lui, non? Ils sont de plus en plus badass. Plus je m'éloigne, plus ils le sont. Ok, va falloir faire des esquives. Ok, est-ce qu'il va tourner? Oh, je vais arriver dans le dos. Oh, 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 t'as pas aimé? Oh, ça fait mal, hein. Allez. Mais en fait, je pense que c'est parce que si je récupérais pas tout à l'heure les trucs, c'est parce qu'à mon avis, je les ai explosés, donc forcément... Attention, nouvelle cible en vue. Alors bon, je pense que là, on n'a pas besoin de s'équiper encore plus, hein, parce que là... Ah, par contre, je crois que pour les joueurs, malheureusement, on ne peut pas jouer avec notre véhicule actuel. Du coup, il faudra qu'une autre fois, on essaye de refaire un autre véhicule exprès pour le multi. Oh, toi. Oh, toi. Oh, toi. Oh là là. Oh, il est mal. Oh. Je l'ai complètement... Ah, j'ai même pas eu le temps de récupérer ça. Je l'ai complètement explosé, hein. Donc en fait, ouais, le mieux, c'est de virer en fait les pièces qui sont abîmées et de les remplacer par celles qu'on peut récupérer justement sur les autres véhicules. Mais ce jeu est vraiment génial. Sans déconner. Oh, il est mal. À l'attaque. Oh non, c'est moi qui suis mal. On va en retraite. Enfin, je vais mettre une protection sur la tête. Parce que c'est la tête. Si la tête perd, c'est foutu. Voilà, c'est bon, regardez. Hop, on récupère ça. On vire ça. On va l'achever après, vous inquiétez pas. Tac, tac. Voilà. Ok,
Et celle-là, on va la... Attends, on le remplace ou pas? Oh, tu me diras, on n'était pas obligé, hein, parce que on avait, c'était bien protégé. Voilà, voilà, et voilà. Parfait. Voilà, alors, t'es pas achevé? Je vais t'achever, ne t'inquiète pas, petit. Oh voilà. Terminé. Eh ben, écoutez, les amis, pour ce premier épisode, on va du coup s'arrêter là. Mais en tout cas, je trouve ce jeu vraiment exceptionnel, hein, honnêtement, il est vraiment génial. Pour déjà une première découverte, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve génial, que ce soit graphiquement ou même également, bah, t'as envie de farmer, tu vois, t'as envie de rester pour encore devenir plus gros, tellement gros, tu vois, que même la planète ne peut plus t'accueillir, tu vois. En tout cas, les amis, j'espère que ce premier épisode découverte sur, bah, écoutez, TerraTech vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus parce qu'il avait été tellement demandé depuis très longtemps. Surtout si vous êtes fan de Scrap Mechanic, comme je le disais, vous allez encore mieux aimer ce jeu une fois de plus. En tout cas, merci beaucoup les amis de m'avoir visionné, de m'avoir suivi sur cette aventure épique. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un épisode 2, ça serait bien sûr avec grand plaisir. J'en ferai un deuxième et on essaiera bien sûr la fois prochaine le mode versus et on continuera bien sûr aussi également sur la campagne. Enfin en bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci beaucoup les amis, c'était Jumper et je vous dis à très bientôt pour la suite. TerraTech, ciao les amis. Il faudra peut-être que j'arrive à monter plus haut, tu vois, parce que là je suis bloqué, tu vois.